Voici l'histoire de Blinky Bill, de Flap et de Nutsy, de Womboroff et Martien, et de Splotch aussi. Le village au cœur de la forêt était un paradis. Ils y vivaient avec les fleurs, sans se faire de soucis. Par une ténébreuse nuit, des prédateurs humains vinrent massacrer toute la forêt pour nourrir leur moulin. Le lendemain, sous un ciel gris, au départ des camions, il ne restait du paradis que la désolation. Hey hey, Blinky Bill, fais la guerre à ces humains. Tu es malin et très habile, et tu les auras bien. Hey hey, Blinky Bill, la forêt nous tend les bras. Si tu parviens, Blinky Bill, à gagner le combat. Comment Blinky s'en sortira avec tous ses amis? Vous le saurez en les suivant dans leurs péripéties. Car replanter toute une forêt de beaux arbres et de fleurs, faut en avoir la volonté et une âme de vainqueur. Hé hey, hé, hey, Blinky Bill, fais la guerre à ces humains qui détruisent nos domiciles pour nourrir leurs moulins. Hé hey, hé, hey, Blinky Bill, on retrouvera le paradis si tu parviens. Blinky Bill, allez sortir d'ici. Ces humains qui détruisent nos domiciles pour nourrir leurs moulins. Hé hey, hé, hey, Blinky Bill, la forêt nous tend les bras. Si tu parviens, Blinky Bill a gagné le combat. À toi de jouer, Blinky. Les humains ont détruit l'ancien village. Ce n'est pas le cas. Hier, elles étaient autour de la table. Oh. Bonjour, Wombo. Je n'aime pas que tu m'appelles Wombo. On a perdu nos chaises. Et c'est pas tout. Vous manque-t-il d'autres meubles, madame? Oui, les couvertures. Et j'ai un trempé froid. Le rocking chair n'est plus là. Des jarres et des choux. Voilà. Et ma veste de Pâques. Un merveilleux napperon. Il vous faut un logement. Cette clairière ne peut qu'inciter les rôdeurs à chaparder vos affaires éparpillées sur le sol. J'ai commencé à creuser un nouveau terrien. Au train où tu vas, à Noël, on sera toujours coincés dans ce trou à rats. Salut les gars. Salut Blinky. Vous faites quoi? On se tourne les pouces. On a perdu le moral. Ce sera une bonne chose de retourner à l'école. Les jeunes ont trop de vacances de nos jours. Oh non, pas l'école. Demandez à Mademoiselle McPie de vous donner quelques cours. Désolé, on n'a pas le temps. On est occupé toute la journée. On fait quoi maintenant? On va chercher un toit pour la famille Lapin. Excellente idée, Blinky. On y va, les gars. Ça, c'est une idée géniale. Ouais, je vole à leur secours. J'en ai trouvé un. Pense à ce que tu dis, les lapins ne logent pas dans les arbres. C'est vrai, et c'est dommage. En inscrivant un nom sur chacune des branches, ce serait un arbre généalogique. Merci, écoute. J'ai trouvé un truc sans face, Blinky. Quel genre d'endroit serait idéal pour un clapier? Un trou. Creusons-leur un trou. Non, on est en vacances et tu veux qu'on creuse? À moins que Flap veuille s'entraîner. Je suis le meilleur creuseur de la région. Cela demanderait trop de temps. Les lapins doivent être logés ce soir. Oh, qu'est-ce que c'est? Moi, j'aime pas ça. Un orage. Oh,
il y a une grotte. Ah, on est tout mouillé. Oh, pile de bois, quel orage. Oh, Blinky, tu as de la boue sur ta salopette, ça va être ta fête en rentrant. C'est juste de la poussière. Je connais la boue. Heureusement que tu as une mère, toi. C'est vrai que Nutsy a perdu sa mère quand les humains sont passés. Oh, elle va me gronder, comme le font toutes les mères. Question d'habitude. Oh, j'ai reçu une goutte d'eau. Allons voir à l'intérieur. Je trouve que ça manque de lumière. Tu crois que cette caverne est profonde? Ah, elle est grande! Je crois que ce serait un logement idéal pour une famille de lapins. C'est possible. Ils ont des torches électriques au moins. Ah, c'est vrai qu'il fait noir! Marcia a peur du noir. Ouais, tu rigoles? Moi, j'ai jamais eu peur de rien! On l'explore? Ouais, bonne idée! Et je vous signale qu'il ne pleut plus, hein? Alors les gars, on va dire aux lapins qu'on leur a trouvé une cagna et ils l'exploreront eux-mêmes. Il a raison, Blinky. Tu viens, courons leur annoncer la bonne nouvelle. Si vous voulez, je vous reconnais, les gars. Dès qu'il s'agit de prendre des risques, il n'y a plus personne. Ça va, le rhume? La pluie s'est arrêtée. Bonne chose. J'ai empêché les lapins de se mouiller, mais à l'intérieur, on était plutôt nombreux. Désolé, monsieur Wombat, mais on a du mal à retenir nos éternuements. C'est moins grave. Maintenant que la pluie a cessé, dès que nous vous aurons trouvé quelque chose de plus grand, tout ira très bien. On a déjà trouvé quelque chose. Oui, une jolie caverne. C'est ma trouvaille. Oh, d'accord, c'est la tienne. Est-elle habitable? Elle est grande. On peut y loger une colonie de lapins. Sans être une colonie, on a horreur des cavernes. Nous avons dû y loger pour fuir la destruction du village. Elles sont très humides. Ce qu'on veut, c'est un terrier. Cette caverne est très sèche. Et les courants d'air? Il n'y en a aucun. Et les vampires? Non, on veut un terrier. Les cavernes ont l'avantage d'exister. Les terriers, faut qu'on les creuse. C'est d'accord. Ce sera mieux que de dormir à la Belle Étoile. Je suis épuisé par cette matinée. Je vous crois. À demain, monsieur Wombo. Regarde, c'est bien mon rocking chair, ça. C'est une surprise, hein? Vous allez avoir besoin d'oreillers, de couvertures, de draps. Bien sûr. Je vais voir ce qu'il nous manque vraiment. Mon rhume est parti. Un, deux, trois. C'est curieux. Un, deux, trois, quatre. Oh. Et combien de chaises vous faudra-t-il? Aucune? On dirait qu'elles sont toutes revenues. C'est bien que vous ayez tous de quoi vous asseoir. Grâce peut-être au jeune Blinky. C'est vrai, tu les as bien aidés. Je te le dis, Mon. Je savais inconsciemment qu'il y avait cette caverne. Alors j'ai voulu la trouver. Et quand je l'ai vue, je me suis dit... C'est un endroit digne d'héberger les lapins. Bien sûr, quand je dors, je ronfle. Ah, tu entends? Ça doit être le vent, chérie. On se couche. Cette caverne. Oh, j'ai passé une
horrible, monsieur. Il y a des fantômes, des spectres qui ont grogné toute la nuit. Oh, je ne veux pas rester une minute de plus dans... Buvez une gorgée de thé, cela vous calmera un peu. Cette caverne est hantée. Non, monsieur Wombat, je ne changerai pas d'idée. J'ai horreur des fantômes et des spectres. Robin doit nous creuser un terrier. Wombat. Oh, Blinky, tu t'y connais un peu en fantômes. Et pour la énième fois, cesse de m'appeler Wombo. C'est quoi un fantôme, Wombat? Pourquoi? Qui en a vu un? Il n'a pas vu un fantôme, mais un spectre qui hurlait comme une chouette. Ce que je connais des fantômes, c'est des trucs de gamins. Moi, je pense que c'est un vampire qu'elle a vu. Est-ce que ça fait... C'était sûrement un vampire qui avait bu de l'alcool. Si jamais j'apprends que tu en sais plus que tu en dis sur ces bruits qui font peur à nos amis, on en reparlera, toi et moi. Moi, si j'apprends que c'est toi et tes acolytes qui font ces bruits... N'importe quoi. Je suis innocent. Je ne t'ai pas accusé, mais je vais vous tenir à l'œil. Et si jamais j'apprends que c'est toi et ta bande, alors là... Blinky. Wombo croit que je sème la terreur chez les lapins, lui et Robin. Oh, pauvre Blinky, pourquoi sèmerais-tu la terreur? Réponds. Je n'ai pas semé la terreur. Est-ce que tu en es sûr? Sûr et certain. Écoute, on sait que ça t'arrive de faire des farces à tes amis des fois. Mais cette fois, on m'accuse à tort. Et s'il le faut, je vais vous le prouver. Comment? Je le sais, moi. Il n'y a pas 36 solutions. Je pense connaître sa solution. Tu connais rien. Oui, je sais tout. Tu sais quoi? Tu vas jouer les espions pour voir qui sème la terreur chez les lapins et tu vas te battre avec eux. C'est exact. C'est presque ce que je veux faire. Et on sera là, ce soir, à minuit. Marcia, tu es prête? Amène-toi, c'est l'heure. On doit encore prendre notre scie et Splot. Blinky et Marcia ne vont pas tarder. Un fantôme! Tu vois pas que c'est notre scie, ton fantôme? Oh, maintenant, je le sais. Allez, les gars, c'est l'heure. La caverne est de ce côté. Éclaire-nous, tu as la lampe. Et toi, Marcia? Tiens cette corde et va à l'intérieur. Ensuite, fais un tour d'horizon et regarde s'il y a des fantômes. Pourquoi moi? Parce que tu es minuscule. T'inquiète, on te ramènera. Tout va bien? Pas de problème. C'est bizarre. On dirait qu'elle n'est pas encore entrée. Pourtant, la corde se déroule. Marcia, où es-tu? Loin, très loin de l'entrée. On te ramène, attention. Un, deux, trois... À bon sens, quelle vitesse! Puisque tu es si brave, tiens la corde! Allez, donne-moi ça, je vais te prouver que je ne suis pas un las. On ne va pas laisser Flap! Flap! Oh, j'espère que tout va bien. Il n'y a pas de danger là-dedans. Sauf les fantômes! Peut-être qu'ils ont eu Flap! Les fantômes sont des bons gars. Ils hurlent, c'est tout. Je suis pas rassurée. On devrait peut-être aller le chercher. Marcia! Oh non, c'est hors de question! C'est à toi d'y aller! Oh non, je touche le plafond. J'ai décidé. Je vais le sortir de là. Et que personne ne m'en empêche. Ah, tu peux compter sur nous. Essaye de me retenir pour voir. Tu vois que je suis décidée à chasser les fantômes au risque de laisser les spectres vous attaquer quand je serai au fond de la grotte. Reste avec nous. Oh, quelle horreur. Flap, dis quelque chose. Oh.
Oh, c'est un miroir. Alors qu'on cherche le moyen de sortir, flappe des mains des fantômes, tu trouves le temps de t'admirer. Je crois que tu pourrais l'utiliser. C'est idéal pour regarder derrière soi. Ah, oh là, oh là, oh là, oh. Je veux pas t'entendre, Marcia. Oui, oui, oui. Chut, on se calme. Qui a vu un fantôme? Bon sang, où étais-tu? Là, dans la caverne. Mais j'ai perdu la corde. Qu'on te croyait blessé, nous. Ou otage des fantômes. Tu aurais dû revenir. C'est ce que j'ai fait, mais en prenant un raccourci. Mais comment t'as perdu la corde? Elle était beaucoup trop courte, alors je me suis détaché. Je me suis heurté à un mur et j'ai pris un tunnel. Et tu n'as pas vu de fantôme? Pas un seul fantôme. Oh. Bon, on rentre chez nous. On organise une chasse aux spectres et ils sont en congé. J'ai vu quelque chose. Tu n'as rien vu, tu disais. J'ai rien dit. Tu l'as dit. Tu as dit que tu n'avais pas vu de fantôme. En fait, tu ne sais pas ce que tu dis. Rien dit. Rien. Oh, allez les gars, on rentre. Moi, je les aurais démolis. Il est les fantômes. Rien n'est réglé. Il reste qu'il faut mener une enquête si on veut savoir qui sème la terreur. Flap dit qu'il n'y a aucun fantôme et il sait ce qu'il dit. Mais on les entend! Ils hurlent à la mort! Ah! Ah, qu'est-ce que c'est? Oh. Ah, oh, spectre hurleur! Oh, je reconnais sa voix, c'est Flap! Regardez, il hante le chemin! Flap, viens ici! Tu viens de semer la terreur juste à l'instant. Et tu veux rire? Ah, ah, ça c'est un son qu'on fait avec une bouteille. Oh, tu l'as dégoté? Je l'ignore. Le flacon, je l'ai ramassé quand le dingo l'a fait tomber. Le dingo? Mais quel dingo? Ils sont tous dans la grotte. Ils sont tous dans la grotte? Tu rigoles? Des dingos? Quel dingo? Personne n'a jamais vu de dingo dans une caverne. Tu en es certain? Sûr et certain. Ah bon, disons que j'ai rêvé. C'est peut-être des coyotes que j'ai vus dans cette caverne. Et ils faisaient quoi? Ils étaient assis sur des chaises. Ils cuisinaient avec des casseroles et des poêles. C'était les ustensiles des lapins. Tes coyotes se vautraient sur leurs chaises et leurs meubles, c'est ça? Ensuite, le plus grand faisait ce genre de son. Non, arrête! Ça veut dire que les dingos sont dans la caverne, qu'ils occupent le foyer des lapins et qu'ils sèment la terreur en soufflant là-dedans. Pourquoi tu ne nous l'as pas dit? Tu m'as parlé de spectre, pas de dingos. J'imagine que ces vauriens ont volé les lapins et ont amassé leur butin dans la caverne. Et avec la bouteille, ils ont réussi à faire peur aux lapins. Et aussi, il y a une souris. Oh, retire ce que tu viens de dire, espèce de canard à poil dur. Moi, je vais le dire à Wombo. Blinky! Quoi? Je serais d'avis qu'on vérifie ce que nous raconte Flap. Tu le connais? C'est un grand rêveur. Je te laisse entrer le premier. Hors de question. Vas-y, moi je dois veiller sur toi au cas où un danger quelconque viendrait par derrière. Attends! Arrête ces gargouillements! Les gosses de la lapine vont se pointer! Tu es chic de me nourrir, Danny. Est-ce qu'on va faire une balade nocturne ce soir? Ce soir, Danny, reste là. On a un tas de choses à faire à l'intérieur. Ma, tu sais que j'ai perdu mon miroir. Danny pourrait peut-être le retrouver. J'en ai grand besoin pour m'épiler. Occupe-toi de ton miroir. Moi, j'ai donné en forçant les lapins à nous laisser la caverne. Tu ferais quoi si un vrai spectre venait te faire ce que tu fais aux autres, Danny Dingo?
Je lui ferai peur, fantôme. Ce rocking chair est digne d'un roi. Moi, je veux dire. Je vais chercher ton miroir. Bien sûr, si tu es d'accord. Oh, vas-y, je vais. Ah. En réalité, les dingons ont effrayé Madame Lapin dans un seul but, faire de la caverne leur propre demeure. Ce qui fait que les pauvres petits lapins meurent de froid. C'est pas mes oignons, ça. Moi, je veux que Wombo sache que je suis innocent. Allons chercher Wombat si tu veux. Non, n'y allons pas. J'ai une autre idée. Trouvons le tunnel que Flap a découvert dans le mur. Vite, avant que Shifty sache qu'on est là. Tu restes dedans jusqu'à mon retour. Je crois que ce tunnel débouche dans la cuisine des dingos. Oh, oh, je l'espère de tout mon cœur. Qui a osé faire ça? Je suis le fantôme de la caverne. Où est la sortie? Mes talons. Ah, cette cape. Oh, elle m'a aidé à les flanquer dehors. C'est toi qui aurais dû avoir peur d'eux. Moi? Peur des fantômes? Madame, oh, je n'ai peur de rien. Vous entrez. Extraordinaire. Dans un eucalyptus. Si les humains vous disent que je suis bon pour entrer au zoo, c'est parce qu'en fait je vis ma vie en koala écolo. Moi Blinky, Bill, je me fais pas de Bill. Je vis ma vie comme je l'entends. Moi Blinky, Bill. C'est Blinky, Bill. Il a du style. Certains humains ne sont pas style. C'est Blinky, Blinky, Bill. Bill, Bill.